Bon, on va voir si la deuxième fois fonctionne. T'as réduit à Edal ? Non, non, non. Je suis toujours à 2100 tours. Ah, bizarre. Mais c'est bizarre, il n'y a pas l'icône en bas à gauche. C'est l'icône du nombre de... Du nombre de connectés. Ça doit être... J'ai jamais eu ça. Ah, t'as jamais eu ça ? Ah, mais sur Discord ? Sur YouTube. Shadowplay. Ah, je sais pas. Je sais pas, j'ai jamais fait. Virage à gauche. T'as pas le petit icône qui te dit que t'enregistres ? Ah non, là c'est bon. Là c'est bon. Là je crois que c'est bien parti. Get friendly contact. Ok, pour la deuxième fois. Donc j'ai eu des petits problèmes de diffusion. Désolé. Donc c'est la deuxième tentative de diffusion ce soir sur le serveur Warbirds of Prey. Et on est là, JG2, 3 appareils, Rick à ma droite, numéro 2, Maverick à ma gauche, numéro 3, et votre serviteur, Booma. On est une comment on appelle ça déjà ? Une quête de 109. 3, c'est une quête. Ah oui, oui, oui. Ouais, alors, ils sont où les 12 bombardiers ? Ouais, 12 friendly in secteur BE19, 4 km south from Saint-Omer. Ils sont au sud de Saint-Omer. Ah. À 5000 mètres, ouais, donc là on va les reprendre. Et on est sur un serveur full réaliste. Je vous le conseille vivement. Si vous aimez le, si vous aimez la bataille d'Angleterre, si vous aimez les Warbirds, si vous aimez voler, avoir la sensation de voler, je vous le conseille. Serveur, il y a 200 spawns, on peut être à 200 pilotes sur ce serveur. Et avec le nouveau patch qui est sorti cette semaine, les problèmes de réseau ont été réglés, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas de lag, le serveur est très stable. Et du coup, en fait, c'est un système qui permet à une escadrille comme nous de déclencher un raid de bombardier géré par l'ordinateur, par l'IA. On a le plan de vol des bombardiers à l'avance, donc on sait où ils vont passer. Et on va pouvoir organiser une escorte. Là, par exemple, on a choisi d'attaquer Manston. Alors, pour info, Manston, je vous le montre sur la carte. Nous, on est parti d'ici. Je vous montre, de Saint-Omer, on a fait une boucle, une patrouille côtière. Pour le moment, on n'a rien trouvé. Et on a des bombardiers qui partent vers le nord. Ils sont à 40 km au sud de Saint-Omer. Ils sont au nord-ouest, vers le 350 à peu près, vers ce cap-là. Et nous, là, on est à peu près ici. On devrait les intercepter au niveau de Saint-Omer, pratiquement sur Saint-Omer. Ils volent à 5000 mètres. Et ils vont matraquer le terrain d'aviation de Manston, ici. Voilà, Manston, Ramsgate. Alors c'est où Manston déjà ? C'est Ramsgate. Manston, voilà, c'est celui-là. Voilà, il y a Ramsgate et Ramston et Manston, les deux terrains. Voilà. Historiquement, c'est le terrain qui a été désactivé le premier par la Luftwaffe à l'époque. Donc on va essayer d'escorter ces bombardiers en face. On a des gens qui ont... donc on a, je vous montre un petit peu le serveur. Là, ce soir, il n'y a pas énormément de monde. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pilotes britanniques en face. Et eux, leur objectif est d'intercepter ce raid. De faire un maximum de dégâts sur les bombardiers, évidemment. Et ils ont un radar qui fonctionne à peu près comme le nôtre. C'est-à-dire ils vont effectuer des requêtes. Et ces requêtes, ils vont avoir des réponses. Le radar va leur répondre avec un texte qui va leur donner le cap, le nombre, l'altitude et la localisation des éventuels assaillants. Donc c'est à eux d'organiser leur défense. Et c'est un petit peu le jeu de du chat de la souris. Nous, on doit défendre les bombardiers et eux, ils doivent les abattre. Donc on a fait hier une escorte qui s'est pas trop mal passée. Hein. On a perdu que deux bombardiers sur les 11 ou 12 qu'on avait au départ. Ok, donc vous voyez, les bombardiers sont juste devant nous à midi. On corrige à gauche. Alors, ce qui est intéressant justement, c'est de faire une nave. N'est-ce pas, les amis ? C'est de prendre. Parce qu'il faut toujours avoir conscience de sa localisation. Et d'intercepter les bombardiers le plus tôt possible pour pouvoir les escorter. Parce que les Rosbif, à partir du moment où ils vont franchir la côte française, on peut considérer qu'ils les ont vus. Ou peut-être aller quelques kilomètres au nord, mais pas très loin. Et ils vont les repérer. Donc nous, on va essayer de se mettre avec eux.
Et les escorter, tout simplement. On corrige un peu à gauche l'équipe. J'aurais dû dire Lisa. Ouais, Lisa. Bah, les Allemands, ils utilisaient ce truc-là. Alors, à droite, je me rappelle plus le terme exact. Faudrait que je regarde sur le site, mais... ça doit être Robert ou... Un truc avec R, ouais. Oh, il y en a une chier. Il y en a 12, ouais. C'est 3 boxes de... 4 boxes de 3, je crois, ou 3 boxes de 4. 3 boxes de 4 et 2... Il n'y a pas de... 209 avec un... Ah, je sais pas. Ah, on va voir. Non, j'ai pas vu. J'ai pas l'impression, je pense qu'il y a que nous. Alors, de toute façon, il y a peut-être les autres, hein, le JG, Hog et les autres vont peut-être venir. Ou pas, hein, on verra bien. Bah ouais, hier, on n'a pas vu de 109 avec nous, hein, en escorte. Non. De toute façon, l'idée, c'est vraiment de s'immerger, de vivre une expérience très proche de ce qu'a pu vivre un pilote de la Luftwaffe pendant la bataille d'Angleterre. Le cockpit ressemble comme deux gouttes d'eau à celui du 109, c'est photoréaliste. On vole exactement comme à l'époque, trois appareils allemands volent exactement comme ça. Les bombardiers, bah bon, c'est vrai que c'est pas un box immense, mais bon, pour taper un terrain d'aviation, c'est suffisant, une douzaine de bombardiers. Et je suis pratiquement sûr qu'on va se faire intercepter. Alors, on va pas essayer de s'acharner sur la chasse anglaise. Le but n'est pas de l'abattre, mais de l'empêcher de toucher au bombardier. On va grimper un petit peu. Ah, Tuitou s'est fait dessouder. Ce sont des Henkel 111, hein. Donc ce sont, si je regarde bien, 3 groupes de 4 appareils, on dirait. Alors c'est pas tout à fait historique parce que les bombardiers allemands volaient en quête, de 3 appareils. Mais bon, on va pas chipoter. Ok, je monte encore un petit peu. Encore un peu. Ok, leader, j'attends ton top départ pour lancer l'écartement pour la... Ok, on écarte à droite. 1 et 2. 3 et 4. 3, tu restes à gauche. Ok, affirme. Ok, 2, je te confie le côté droit, je vais me séparer de toi un petit peu, je vais me mettre un peu libre et je reviens dès que j'ai réglé mes soucis de commande. Merci. Tu restes côté droit et tu couvres le côté gauche, ça va? Ouais. Surtout tu ne perds pas en vue des bombardiers et ne me suis pas. Hein. Non, j'ai l'impression que c'est des groupes de 2. Non, j'ai 3, 4 groupes de 2, un groupe de 4. Ouais, c'est peut-être tous des groupes de 2. Non, c'est que des groupes de 2. C'est 6 groupes de 2. Ouais, ils les font faire en roteux. Ouais. Ok, numéro 2, je vais venir me reformer avec toi. Ouais, Victor. On va demander s'il n'y a pas un groupe ennemi calé, mais bon, ça m'étonnerait. Vous
Ça peut toujours être intéressant s'ils ont anticipé. Ouais. Donc on a, je répète, un 12 Henkel 111 en partance pour Munston. Donc c'est le terrain d'aviation qui vont viser. Et nous, on est 3 chasseurs 109, Messerschmitt 109 E4. Oula! Freya, je croise à gauche. Attends. Ouais, tu peux croiser à gauche si tu veux. Ouais, il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Ouais. J'ai des rapports ennemis à Calais. Ils m'ont donné des rapports sur les ennemis. Ouais, il faut faire gaffe parce qu'en plus ils volent pas très haut nos bombeurs. Non, 5000 mètres, c'est pas très haut. Ground control. Et get enemy contacts. Ok, 2, 1 et 2, vous êtes clear. Ouais. Ok, j'ai visuel sur 2. Reste à droite 2. Hein. Je suis parti à gauche. On a croisé. Vous êtes croisé, vous êtes en train de croiser ? On a croisé tout à l'heure. Moi je suis à droite et Eric est à gauche. Ah, c'est dommage, je vois pas bien. Je suis juste au-dessus de Indianer Sector. Sont au-dessus de Douvres. Non, pour l'instant, ils sont pas sur nous. Ils sont très loin. Ouais. Ok, Eric, on recroise. Ouais. Je repasse à droite. Et ça m'a intrigué l'histoire que nous a raconté Grotte tout à l'heure sur la visibilité, comme quoi tu pouvais la régler. Ouais, c'est bizarre ça. Ouais. Faudrait qu'on teste, mais j'ai pas l'impression qu'on voit de plus loin que. J'ai l'impression qu'on va de moi là. Moi. Pour moi c'est pareil. Pour moi je voyais les ennemis plus en noir, en gras que. Oui, c'est sûr que dans Clodo, ils ont fait en sorte que l'ennemi soit un peu sombre pour qu'il se détache sur. Donc c'est vrai que pour voir les contacts, il n'y a pas mieux. Même quand tu zoomes, je veux dire, c'est vraiment nickel. Puis j'adore le reflet sur les verrières aussi. Le scintillement des verrières. Ouais. Ouais. Le problème de l'escorte, c'est que tu attends quelque chose, tu sais pas d'où ça va arriver. Et quand ça t'arrive sur la couane... Ouais, tu es obligé d'engager très très vite, d'être très agressif. En fait, c'est ça le piège. Virage à droite, ils virent à droite les bombardiers. Ok. Le mieux, en fait, c'est de balayer un peu en avant pour anticiper, tu vois, comme ça tu chopes le... En fait, l'idée, c'est de repérer les chasseurs avant qu'ils engagent leur attaque. Bah oui, parce qu'une fois qu'ils ont plongé sur les bombardiers, ma foi, au moins ils vont faire une passe quoi. Très difficile de les arrêter une fois qu'ils ont plongé. Par contre, si tu l'engages avant qu'il plonge et que tu l'obliges à breaker, c'est fini pour lui. Vous êtes rassemblés un et deux, non ? Non, on n'est pas rassemblés. Non. Moi je suis en avant, toi tu es à gauche et Rick est à droite. Yes. Je pense qu'il vaut mieux faire comme ça. On balayera plus de terrain que de rester rassemblé. Affirme. En plus là, tu vois, Rick il est pas en train de serrer sa formation. Donc il peut regarder à droite, à gauche. Ouais. Et une paire d'yeux en plus, ma foi, ça peut être intéressant. Tout à fait. Faut surtout pas qu'on confonde un contact avec l'un d'entre nous avec. Avec la chasse ennemie. Donc l'objectif, vous le voyez, dans la trouée là à 11h, c'est là. Vous voyez la tache grise, un peu verdâtre là, un peu dans les terres, c'est ce terrain là. Ah
peu loin, je vais me rapprocher un peu. Ouais, mais je sais pas comment ils vont taper à travers les nuages. Je sais pas si les IA sont affectés par ce truc-là, mais... Ce qui serait génial, c'est de me... Je vais essayer de me mettre avec les bombardiers, histoire que... Ok, restez à l'étage, l'équipe. On croise, Maverick ? Non, on reste à l'étage. Ouais, mais restez comme ça, à droite, à gauche. Oula. Ah non, il y a un autre contact. Vous êtes trois. Ok. Ah, vous êtes trois. Quelqu'un, je pense, est passé... Alors, je ne sais pas qui est qui maintenant, mais il me semble qu'il y a un appareil... Vertical des bombeurs. Vertical des bombeurs. Moi, je suis à droite. Non, ça ressemble pas à un 109, ça. Dans les 6 des bombeurs, j'ai quelqu'un. Maverick, je pense que tu es... Là, je pense qu'il faut que tu t'achètes des lunettes. Hein. Parce que... attends, moi, j'ai un contact dans les 6 des bombeurs, dans les 6. Légèrement plus haut. C'est moi, non ? Non, c'est un speed. Ok. C'est un speed. Ah, Maverick, comment t'as pu louper ça, quoi ? C'est pas possible. Non, mais je suis pas vieux. Ouais, mais je sais pas, fais quelque chose, quoi. Ouais, je l'engage. On dirait qu'ils sont deux, hein. Ouais, trois même. Trois ? Je sais pas, il y en a deux qui le suivent. Il y a deux. Moi, qui je le suis. Okay. Moi, je suis le speed. Moi, je vois trois contacts dans les six du bombeur. Ouais, même il lâche pas, il barrique, mais il continue sur les bombeurs. Moi, je veux le faire chier jusqu'à ce qu'il les lâche. Putain, mais je le vois pas, c'est quoi ce délire? Ah si, c'est bon. Ah, Maverick, faut vraiment que tu fasses quelque chose. Ouais non, mais c'est grave. Problème de visuel. Je suis même pas sûr que ce soit un split. Ouais, il a pris mes 6. Ok. Il a pris mes 6, je monte. J'ai nez jaune juste derrière les bombes. Non, mais ça, on s'en fout, je veux dire. Nez jaune, ça. Ouais, non, mais c'est pour signaler. Non, mais tu signales pas un nez jaune, tu signales que les contacts ennemis. Ok, j'ai un contact ennemi qui repart sur les bombeurs. Ok. Ouais. J'essaie de faire grimper les spits autant que je peux. Mais là, il doit être dans mes 6 heures bas, je le vois plus. Ouais, il y a bien un speed derrière. Ouais, mais moi je le vois plus, il doit être dans mes 6 heures bas. Un deuxième qui arrive sur les bombeurs. Un qui se tient en haut et l'autre qui part en bas. À moins qu'il est breaké pour partir sur les bombeurs. Bon, attends. Attention les gars, je check mes 6. Non, je suis clair, il est plus derrière moi. Ok, il est parti sur les bombeurs. Ouais, je suis dans ces 6 et je surveille l'autre. Il a un avantage d'altitude sur moi. S'il me plonge dessus, je vais être obligé de. Il est devant toi, Bouba. Non, j'ai un 109 devant moi. J'ai pas de speed. Je repars sur les bombeurs. Pleine bourre. Il est à droite des bombeurs, j'ai un 109. Okay. Il lâche 109 bombeurs, isolé. Break à gauche. Il m'a vu, break il a break à gauche. J'ai un 109 à droite des bombeurs, isolé. C'est moi. Bah oui. Ok, je suis parti en combat avec le speed. Non, pars pas en combat, tu vas te faire bouffer. Non, mais je lui ai mis la pression, il partait sur les bombeurs. D'accord, je vais essayer de te retrouver. Ok, je te vois, tu vires à gauche. Ouais, je vire à droite, j'ai un avantage à gauche. Ok, je referme sur lui. Ok, essaie de remonter, il a plus d'énergie. Ouais, je suis en rouge. Ok, je garde un... Ouais, remonte, mets toute la gomme, remonte. Ouais, c'est ça. Il a plus d'énergie, là, il pourra pas te choper. Vas-y, tu peux faire ta passe. Ok, je l'ai loupé. Ok. Je remonte. Je tente une passe et retourne. Vas-y, j'essaie de te couvrir pendant ta plonge. Ok, tu es clair, vas-y. Ok, j'ai l'impression qu'il lâche, il plonge en Angleterre. Ouais. Ok. Il reste... il break à gauche. Ok, je le laisse et je continue. Ok, ouais, laisse-le. Ok, on remonte. Ouais, remonte, là, tu l'as bien mis la pression, il te rattrapera jamais. Par contre, il faut qu'on revienne sur les bombeurs. Rick, tu restes avec eux, tu es clair pour l'instant. Ouais, tu es clair, c'est bon. Donc, alors. J'ai visuel sur Maverick, tu es clair, Maverick. Ok, j'ai pas visuel sur toi. Il est derrière toi. Ok, il est derrière toi. Remonte sur les bombeurs, je vais te débarrasser du speed. Repars en escorte. Ce speed, je vais le. Annonce-moi juste s'il est au tir, ce que j'ai. Non, il est à des années-lumière de toi. Jamais il pourra être au tir. Okay, alors les bombeurs
Attention, il vire à droite. Ouais, Manston a dû être tapé. Ok, il a pris du canon, je remonte. Ok, il est parti en vrille, il tombe. Bien joué. Ouais, je remonte sur les bombers, je coupe le virage pour les remonter. Vous avez vu la passe, on ne tire pas un avion dans les 6, on plonge sous son niveau de vol et on le tape dans le ventre en remontant. Il vous voit pas arriver. C'est ça qu'il faut faire. Ouais. Ouais, j'ai visuel sur toi pour mater clear. Ok. Je remonte sur les bombers. Là, ils ont changé de cap, hein. Ils ont pris un cap retour. Ouais, ouais. Ouais. On a eu des pertes ? Non. Ok, cool. Pas de pertes, on leur a pas laissé le temps d'attaquer. Je pense pas qu'ils soient en cap retour. Ils ont viré à droite ou à gauche ? Ouais, ils sont en train de prendre la Tamise. Ils vont rentrer par le nord. Ah. Ok, je vais essayer de reprendre visuel sur eux. Tu veux le cap, Boom ? Ouais, parce que là je suis au vertical Ramsgate, enfin Monston. Et j'ai pas de. J'ai juste un appareil qui décolle de Monston là, je le vois en bas. D'accord. Par contre. Ah oui, d'accord, ils sont partis par la droite. Ok, c'est bon, je reviens sur vous. Je vous vois tous les deux, il y a que vous deux, ok. Ok, je suis en formation avec les bombers, enfin à côté d'eux, et ils sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, c'est bon. 12 bombers. C'est super. On a pas eu de perte pour l'instant. Bon, on peut encore avoir une attaque, hein, attention. 12 bombers et je suis en couverture des bombers, j'ai pas visu sur Rick. Ah, il est avec toi, il est avec toi. Mais par contre, vous êtes étagé. Il y en a un au perchoir et un plus bas. Ouais, j'arrive du sud. Hein. Toujours en position. Il vire à droite, on dirait. Ah oui. J'anticipe sur le virage à droite, mais j'ai vu un contact derrière moi, loin dans les 6 heures, à peu près en altitude. Pense qu'ils doivent patrouiller du côté de Douvres ou dans ces eaux-là. Ça marche. Donc méfiance. Et t'es clair, mec. Ouais, j'aimerais bien que vous me checkiez aussi. Ouais, parce que il faut qu'on. En fait, on. Ouais, pour moi, t'entraînes ou c'est de la. Ouais. Par contre, non, Maverick, faut que tu fasses quelque chose pour le visuel. Ton visuel est pas bon. Il faut que je change de télé. Ah non, mais c'est clair, parce que le speed là, tu pouvais pas le louper. C'est comme hier le contact. Je l'avais vu. Oui, mais t'as rien annoncé. Ah si, j'ai dit qu'il était devant toi, tu m'as dit que c'était un 109. Alors que j'ai. Ok, t'es clair. Parce que j'ai pas enregistré. J'ai checké, t'es clair, l'autre contact est plus bas derrière toi. Il y a un contact derrière moi ? Il y a un contact derrière. Vous croisez là les gars ? Non, j'ai juste un tour pour te checker. Non, parce que là vous êtes en train de croiser. C'est moi. Ok. C'est moi qui tourne un peu des zigzags. Ouais. Ok. Donc okay, on est tous les trois au-dessus. Voilà. Ah oui, j'ai un contact. J'ai un contact, ouais. Il est derrière, ouais. Bon, on va attendre qu'il s'approche un peu parce que si on va à la pêche. Ouais, on va perdre trop de terrain. Il faut trop de terrain sur les bombers. Ouais. L'idée c'est qu'on tourne comme des vautours au-dessus. Et les bombers ont viré. Hein. Je me retrouve à gauche, je vais repasser à droite. Ouais, je dois être vertical, je les vois pas. Ah si, je suis vertical, je les vois pas, c'est pour ça. Ok, ok. À droite. Rapprochez-vous l'équipe. Ok, je rejoins sur les bombers. Ah ouais, revenez parce que c'est pas sûr qu'il nous intercepte. Voilà. Parce que tu vois, le fait qu'on part au nord, ça peut les dérouter. Hein. Parce qu'ils doivent peut-être anticiper aussi. En dessous de moi. Et ah oui. C'est quoi, c'est un bomber ça ou c'est un ennemi? Ah, t'as vraiment de gros soucis de visuel, Maverick. Non, mais c'est soit un beau fighter, soit il est loin, donc j'arrive pas à voir. Parce que là, je te vois plus. Hein. Je pense qu'il y a plus que Rick avec moi au-dessus des bombers. Le problème c'est que je peux plus non, faire. Je suis vertical des bombers, moi je suis avec. Ah oui. Et d'accord. J'ai un contact en dessous de moi. Ah oui. Va jeter un coup d'œil. Il y a un contact qui se rapproche des bombers légèrement plus bas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, et Eric, il est où? Toujours à droite des bombers. Ouais. Ah oui, il y a un contact qui s'approche, ouais, certainement ennemi. Il faut qu'on le chope. Ok, ennemi, je vais dessus. Ouais, vas-y. Attention à l'overspeed par contre. Et en couverture, c'est qui? Ouais, ok. Oh, ouais, tu reprends sur lui. Ah, ouais, si. J'arrive vite. Ouais, t'arrives super vite. Attention, les bombers virent à droite. Ouais. Ah, je sais pas si Maverick va pouvoir lui coller un tir avant. Je pense que oui. Oh, Maverick, il break. Ouais, bravo, Maverick. Ça, c'était génial.
Ouais, cool. Il tombe. Non, il break à droite et il revient sur les bombers. Ok, je reviens avec lui. Je replonge dessus. Ok, je prends ces 3 heures. Vas-y, fais ta passe, Bouma, je suis en couverture au-dessus. Ok, reçu. Et en couverture aussi, vous êtes tous les deux. Ok, je viens de tirer, il break. Ouais, il a breaké sévère, il plonge. Ouais, je le laisse plonger. Peut-être touché, je suis pas sûr. Putain, je vois plus. Ah, ok, je reviens sur les bombers. Contact vertical, c'est qui passe au-dessus? C'est toi, Rick? C'est moi, je suis... Ouais. Ok. Ok, Bouma a éliminé un Spitfire. Tu l'as eu? Bah, je pense que oui, vu que j'ai le message. Mais je pense que je lui ai collé un tir dans la tête ou un truc dans le genre. Allez, on reprend contact avec les bombers. Bouma, cap, t'es clear. Cap ouest, c'est bon. Maverick, tu es seul derrière moi, c'est ça? Je suis derrière les bombers sur leur droite. Je sais pas ce que c'est, ça doit pas être toi, ça. Ah, ça me plaît pas. Ou à droite, ou à... Ah, derrière deux contacts. Ah oui, deux contacts derrière les bombers, ouais, exact. Allez, on remonte, il faut qu'on prenne de l'altitude. Ceux-là, ils vont poser problème. Donc c'est toi qui es derrière dans mes 6 heures, je vire à droite. J'ai breaké en gauche en montant. Ouais, break pas trop non plus, casse pas ta vitesse. Non, là je suis pas mal. Pour moi, t'as pas d'altitude, hein, t'es vachement bas. Si, j'en ai. Je suis pas sûr que ça soit toi. Ah non, ça c'est pas toi, c'est un Hurricane. Okay, il y a Hurricane dans les 6 bas des bombers. Ouais, vous êtes combien derrière? Ouais, peut-être un speed qui plonge. Du coup, je sais plus où tu es, toi. Je confirme. Non, t'as deux avions avec toi. Je crois que t'as deux avions avec toi. Voilà, tu croises avec deux speeds. Ouais, mais putain, comment t'as fait pour perdre autant de terrain? Je suis parti sur eux, moi, que je les ai attaqués. Ah, d'accord. Donc tu as attaqué deux Spitfire qui ont un avantage d'altitude sur toi, c'est ça? Ah, j'avais un avantage d'altitude sur eux. Ah, d'accord, ok. T'arrives à les tenir un peu? Ouais, ils me prennent pas, là. Ouais, bah si t'arrives à les éloigner des bombers. Bon, Rick, par contre... Rick, il va falloir que tu chopes le contact... Ouais, donc le contact sous les bombers derrière, il va falloir que tu t'en approches un petit peu. Bien reçu. Je vais faire une passe dessus, mais essaie de me couvrir. Bien reçu. Ouais, j'arrive latéral avec le soleil dans le dos. Ouais, je me retrouve toujours avec les deux cocos là au-dessus. Ouais, tant que tu maîtrises le combat, ça va, mais si t'as le moindre problème, tu plonges, tu dégages. Ouais, mais le problème c'est qu'ils vont... Attends, je vais essayer de faire le lièvre, de les tirer un peu. Et les tire pas sur les bombers. Non, ils partaient dessus, c'est pour ça que je les ai tirés. Ok, allez, je vais devoir monter. On descend en dessous. C'est clair, Bobo. Ok, je plonge. Il m'a pas vu arriver. Ah, salope. Ok. Et je remonte. Je sais pas si je l'ai touché. Je barrique. Je vais faire ma passe sur lui. Attends. Je peux ou pas? Ouais, okay, vas-y, fais ta passe. Les gars, j'ai averti, j'ai plongé. Ok, plonge tout ce que tu peux, overspeed, casse-toi, dégage. Ouais, je les tire. Ok, il m'a lâché. Allez. Je vais plonger sur les... Ouais. C'est clair pour moi. Il break à gauche. Ouais, je pense que je l'ai touché là sur cette passe. Break fort à gauche. Ouais. Allez, je remonte sur les bombers. Je pense que lui, le temps qu'ils reviennent, ils seront loin déjà. Ouais. Allez, je remonte. Attention les... Ouais. Pardon. Toujours cap ouest, les bombers. Ouais, les bombers toujours cap ouest. Je remonte avec eux. Je pense qu'il va refaire une tentative. Ouais, et le temps qu'ils reviennent, tu pourras largement le choper. Attention les gars, j'en ai un contact qui revient sur les bombers. C'est celui qui m'avait pris et qui m'a lâché. Ouais. Il reprend un cap. Ouais, mais on est encore deux là. Robin, okay. Rick, là il faut que tu engages le speed. Ok. Ouais. J'engage. Ouais, mais plus agressivement, moins mollement. Allez, bouge maintenant. T'es statique là. Ouais. T'es attentiste, c'est pas bon. T'aurais dû déjà lui faire une passe. Je le prends en chasse tout de suite avant qu'il arrive. Ah oui, parce que tu peux le reprendre, le speed qui est derrière loin. Je vais essayer, mais il est loin. D'accord. Il est loin de moi. Il a fallu que je... Eric, attention à l'overspeed. Passe sous son niveau de vol, tu colles un tir et tu passes. Attends, ne percute pas. Hein. Prends ton temps, ajuste. Ouais.
Et ne percute pas. Non, non. J'en remonte. Il plonge un petit peu. J'ose pas le suivre. Je préfère garder mon altitude pour rester en couvert. T'as tiré ou pas? Ouais, j'ai tiré. Il a breaké. J'en remonte. Il a cassé toute sa vitesse. Ok, super. Laisse-le. Remonte et reviens sur les bombers. Ouais. Voilà. Tu mets pleine bourre. Tu chopes les bombers. Tu remontes. Okay. Maintenant, c'est toi qui vas être en couverture sur eux et c'est moi qui vais le prendre. S'il revient, bien sûr. J'ai deux contacts légèrement plus bas que moi. Ok, dans mes 6. Faites gaffe. Ok, j'ai un speed dans mes 6. Je plonge. T'es où, Boba? Dans les 6 des bombers, je me fais tirer par un speed. Hop, je suis obligé de plonger. Il est très offensif sur moi. J'arrive. Ah, c'est pas le mien. Ok, il m'a lâché. Je remonte. Bien reçu. Ok, visuel sur toi. Par contre, celui-là, c'est pour toi, Rick. Attention. Comment ? Un autre speed, attention. Il y a un autre deuxième speed qui rentre dans la danse et je rentre avec lui. Ouais, il y a un speed au-dessus des bombers. Bah, je pense que c'est celui qui vient de me faire une. C'est celui qui vient de taper Bouma, ça, Rick. Ouais. Il a bon niveau de vol. Quel autre est plus bas ? Je vois pas, je me glisse dans ces 6. Bouma, fais gaffe, il y en a un autre un peu. Ouais, je vois, mais j'ai de l'énergie, je grimpe. Ouais, moi aussi. Je vais essayer de reprendre celui qui est vertical des bombers. Ouais, mais Rick, il est bien en dessous de lui, il pourra jamais le choper. Je remonte tout doucement. Ah non, tu remontes rien du tout, là tu l'auras jamais. T'es beaucoup trop bas. Il faut faire gaffe parce qu'il va te retomber dessus. Ou alors sur moi. Oui. Ouais, il va breaker. Alors je sais pas sur qui il va. Ouais, j'en ai un autre qui remonte. Ouais, il est sur moi, je plonge. Ouais. Tourne un peu à droite, s'il te plaît. Je plonge. Non, j'ai pas le choix, je suis obligé de plonger. Ok. Radiateur réservé d'eau perforée. Il m'a eu. Non. Bravo, ouais, il a fait un super tir. Allez, Rick, sois agressif, Rick. Ouais, je l'ai tiré dessus, mais un petit peu trop loin. Merde. Ok, moi du coup, les gars, c'est terminé pour moi, il faut que je rentre. Je mets plein gaz et je rentre sur la France. Ouais. Alors mon esquive a pas été terrible. C'est vrai que... Parce que j'étais... Ouais, bah tu... À 200 mètres de la voie. Mais concentre-toi pas et que t'es en combat encore. Lâche pas l'affaire. On débriefera après. Okay. J'ai perdu sur le... J'ai rejoint les bombers. Hein. Ouais. Je suis à droite des bombers. Je peux peut-être encore être un peu utile. Il y a deux appareils dans mes 6. Dans les 6 de bombers aussi. Tire-les loin des bombers si tu peux. Mais c'est dur parce qu'il faut... Ouais, mais il faut remonter en fait. L'idée c'est qu'il faut remonter, il faut rester au-dessus. Ouais. Putain, j'ai pas encore de fuite de glycol. À moins que je la vois pas, la fuite de glycol. Non. Attention, les bombers... Une partie des bombers vire à droite et une partie des bombers reste tout droit. Ouais. C'est pas. Je reste sur la partie de gauche. Ok, reçu. Non, ça va, il vire aussi, j'ai l'impression, mais il s'écarte fort. T6, Rick, quelqu'un te remonte. T6, quelqu'un te remonte. Oh putain, mon moteur commence à dérailler. Il y a 4 appareils dans mes 6. Ah ouais, donc ils sont groupés. Il y en a 2 au-dessus, il y en a 2 en bas de moi. Bon, je pense que je vais avoir des gros soucis là. Ouais, il y a un speed qui penche sur moi. Ouais, je suis désolé là, j'ai des problèmes moteurs, j'ai été endommagé donc je peux pas faire grand chose. Si tu vois qu'il tape, tu plonges, Rick. Ouais. Ah oh, purée, ça sent mal. Ouais, là il y a une grosse. Ils sont 4. Allez, hein. Bordel. 3 ou 4. Voilà, fuite d'huile, voilà, c'est pas bon du tout. Ok, il y a un speed qui commence à tirer sur les bombers. Ouais. Un bomber touché. Ouais. Occupe-toi pas des bombers, occupe-toi du tien. Ouais. Du jeu, c'est que je te libère toi pour le moment. Et tire-le en virage droite, Rick. Ça marche. C'est qui parle? Non, mais c'est sur TeamSpeak, c'est sur TeamSpeak. Ouais. Tire-le en droite, vas-y, tire-le en droite. Serre un peu, virevolte en spirale droite au-dessus des bombers. Bien reçu. Ouais, il me suit, hein. Il va bientôt être au tir. C'est toi qui plonge, non, Rick. Il est loin. Il va bientôt être au tir.
Et j'attends pas trop longtemps, je plonge. Je vais essayer de plonger sur le Non, n'attends pas, n'attends pas. Temps. C'est bon, il t'a pas pris. Il t'a pas suivi, tu peux remonter, engage okay. L'autre. Merci. Et les radiateurs fermés complètement, vu qu'ils n'ont plus aucun intérêt. Donc dans ce cas-là, quand le moteur s'arrête, on ferme complètement les radiateurs, on met l'hélice en drapeau, et on essaie de maintenir une vitesse correcte. Et je vais essayer de planer jusqu'au l'extrême sud pour me faire choper par la rescue. Ok, je me glisse dans les 6 d'un split, je pense qu'il m'a pas vu. Ok, j'ai pris une petite fuite d'essence, je plonge. Ah non, mais dégagez les gars, c'est fini l'escorte hein, depuis longtemps. Hein. On n'a plus l'avantage, bah oui, évidemment, c'est terminé. Ok, il y a un speed qui fume noir. Ok, Eric, j'en ai un dans les 6, viens m'aider. C'est-à-dire qu'il fume noir, tu l'as touché ou. T'es où par rapport au bomber? Rendez-vous au bomber. Attends, non, c'est bon, il m'a lâché. Okay, je suis dans les 6 d'un bomber, t'es où, Maverick? On remonte au-dessus des bombers, prends ton altitude et tu regardes ce qui se passe autour, tu vas sûrement voir soit des ennemis, soit moi. Si tu peux te barrer, tu te barres. T'as pas une indication? Là non, là je suis en combat. J'y entre les deux parties des bombers là. Ok, normalement je devrais mieux regrimper que lui. Je suis à peu près vertical des bombers, à peu près. Moi je suis clear. Bah prends un cap retour et barre-toi. Okay. Comment s'appuyer? Ouais, il faut sauver nos avions, l'équipe, parce que bon. Allez! On dirait que je vois plus de speed, hein. Je suis avec les bombers, je vois plus de speed. Mais je prends le cap retour. Je vois plus de speed dans les parages. Il a la de bomber celui-là. Ouais, il y a un bomber qui tombe, on dirait. Ouais. Soit il a la traînée, soit il a percé son radiateur. A mon avis, c'est la traînée à cette altitude. Un speed à la traînée. Et je leur prends les 6. Ok, reçu. Oh, il y a un putain de beau fighter en fait. Je le tiens à la traîne des. À la traîne derrière les. A chaque fois, il essaye de repartir sur les bombers, mais je le maintiens. Ouais, je vois. Je peux faire. J'ai l'occasion de faire ça. Il est haut, cet enfoiré. Ah, y a un bombardier qui perd de l'altitude. Il rentre comme moi, un peu endommagé. Ouais. Le beau fighter, il va déguster, là. Oh, la passe de face, ça pue. Oh, boum! Allez, maintenant reprends ton altitude et viens vite m'aider. Ouais. Tu l'as eu? Monte au traîné, je suis à l'arrière de la formation de bombardier, très loin derrière. Ouais. Tu peux me retrouver, monte à 7-8000. Ouais. Je suis en train de tirer un speed sur la France, là. Il est coriace, le gaillard. Allez, je rentre à la maison. Non, viens avec moi, Rick, monte. Ah. Viens m'aider, j'ai besoin de toi. Pardon. Monte à 7-8000, 8000 même. Je suis à... Ok. Allez, viens prendre mes 6, là. Voilà, plonge derrière. Voilà, très bien. Plonge derrière dans mes 6. Maintenant, laisse-moi repérer. Où je suis. Il n'y a plus que deux bombeurs, quoi. Ok. Je m'écarte un peu de lui. Quoi, tous les autres se sont fait abattre? Non, mais il y a. Ça me semblerait bizarre que tous les autres soient fait abattre. Ok. Les bombeurs sont séparés en deux et. Ouais. Ah, je peux vous dire que le 109, si tu fermes les radiateurs et que tu mets l'hélice en drapeau, bah tu planes super bien. Ouais. Il me reste encore 3000 mètres d'altitude et je vois les côtes françaises.
Il y aura peut-être moyen de boire le café chez Lulu à Calais ce soir. Chez Lulu. Ouais, c'est le bordel de Calais. Oh putain, je suis dans ses 6 pas, il m'a pas vu. Je pousse plein badin. Oh, j'ai fait une spirale. Ah, Maverick, t'en as eu un parce que t'as 0,11. Maverick, rien. Ouais, moi j'en ai eu un aussi. C'est le premier que j'ai touché. J'ai touché la queue. Ok, il part où lui? Sur les bombers, non? Ok, il rentre. Je vais essayer de le remonter, mais à cette altitude-là, à mon avis. Team Maverick, je monte. Mais... Ok, il a dû arriver. Attends, mais il tire à combien cet enfoiré? Ok, 7000, on a un combat à la traînée à peu près à 30 km au milieu de la Manche. Ouais. Attends, il fait quoi? Oh, mais comme il grimpe à haute altitude, il est violent, je peux rien faire là. Il faut que je me casse, que j'arrive à le tirer en basse altitude. Oh, j'aurais peut-être une occasion de tir, non, ça va pas le faire. Allez, là, je sais que tu manœuvres mieux, Toto. Ouais, dis-moi si tu changes d'altitude. Non, mais on est entre 7 et 8000. Mais il récupère 10 fois mieux son altitude à cette vitesse. Du coup, moi, je prends un cap retour. Et je le tire. Ok, il essaye de me reprendre. Allez, maintenant, viens me suivre. Je réduis mon pas d'hélice. Je passe pas d'hélice automatique. Manuel, réduction. Je le vois, il est légèrement au-dessus de moi, il essaie de me suivre. Je suis encore à la traînée. Je cherche des traînées, mais... Allez, RTB, Eric, j'ai lâché l'affaire. Il m'a bien pas joué. Suivi. Pour l'instant, on fait RTB. Quelle base? 120. 120 depuis Ramsgate, pour moi, à peu près. Ouais. Ramsgate. Ouais. Ah ouais, même un peu plus au sud, je vais prendre un 150, un 160. Ah, il est toujours là. Il a pas lâché, il veut toujours m'avoir. Ok, la côte française est là-bas. Bah, moi je prends un sud, hein, tout simplement. Ouais, je prends pas la côte. Sur... Bah, oui, alors, vu où t'étais, atterri... c'est sud. On atterrit quel aérodrome? Saint-Omer? Saint-Omer. Oui, enfin, si vous avez. Si vous arrivez jusqu'à Saint-Omer, moi personnellement j'ai plus de moteur donc je suis pas très loin des côtes françaises mais plus que 2000 mètres d'altitude. Okay, je maintiens les. Je pense pas pouvoir atteindre la côte mais je pense que je vais me poser. Je pense que je peux rentrer à la nage quoi pratiquement. Cette salope va essayer de m'engager. Je te cherche, Maverick, mais pas moi. Hein. Toujours à l'arrière des bombardiers mais loin derrière et loin plus haut. Ah, l'arrière des bombardiers, je suis presque aux côtes françaises. Non, mais j'ai 6000 mètres. Si je le vois s'approcher un peu trop près, regarde, il commence à être un peu méchant. Hop, on prend pas de risque. On se met vertical. Des bombardiers qui rentrent à dada aussi. Ouais. Bon, ils rentrent un peu dispersés, les bombers. Hein. Jusqu'aux 700 km/h et je remets. Tu sais à peu près où t'es, Bouma? Ouais, ouais. Vers où? Entre Calais et Dunkerque. Pile entre les deux et sur la... Je dois avoir une trajectoire sur Oyer-Plage. Okay. Mais plus que 1500 mètres. J'ai perdu... Et je perds de l'altitude. Ok, il est toujours traîné au-dessus de moi et il m'a pas suivi. Hein. Mais si t'as l'occasion de choper un avion et de redécoller, il y a un ennemi qui se rapproche de nos côtes à 7000. Ouais. Bah, je vais essayer de sauver mon avion. Ouais. Mais c'est pas dit. C'est pas dit. Plus que 1300 mètres. Et bah, je suis Rick, encore loin. Tu es sur les bombers? Ah non, je suis parti depuis longtemps là. Ça me fait chier parce que je la ramène. Prends bien un cap sur les bombers, cet enfoiré. Je vais peut-être rester avec les bombers jusqu'à qu'ils aient fini l'escorte.
fois qu'il leur tombe dessus. Ah, plus que 1000 mètres. Hé hé hé, qu'est-ce que tu fais? 200 km/h. On descend tout doucement. Mais on perd quand même. Ah, c'est dommage. Je vais être short. Je vois un appareil tout près. Ouais, il y a un appareil vertical des bombeurs là. C'est qui? C'est pas toi, Rick? Non. Faut bien voir ça. C'est peut-être un autre 109. Attends, faut que je fasse gaffe à l'autre. Je vois deux appareils dans mes 6. Ah, plus que 1000 mètres. La côte française. Voilà, Dunkerque à gauche, Calais à droite. Ouh, il y a un banc de sable là. Ah bah voilà. Parfait. Voilà, il y a un banc de sable. Je vais me poser sur le banc de sable. Alors j'espère que c'est un banc de sable. Parce que... Alors, je vais peut-être pouvoir atteindre la terre. C'est un bimoteur qui est en direction de l'Angleterre. Ah, mais celui-là, je le laisse. C'est un beau fighter? Je sais pas. Il est venu niaquer les bombeurs et il a fait demi-tour. Les gars, peut-être que je vais rentrer. Je vais pas mouiller mes pieds. Fais attention parce que là... Tu vas aller chez Lulu sec. Je crois que je vais aller chez Lulu Secos. Il y a du monde au-dessus des bombardiers. Oh, c'est même quasiment certain. J'ai encore 600 mètres et je suis quasiment sur la côte. Ouais, 200 km/h, l'hélice en drapeau, les radiateurs fermés, le truc plane sur 5000 mètres. J'ai dû faire, je sais pas, au moins 150 km en plané. J'ai un bombardier, moi qui. Oh, j'ai même un terrain pas loin. Je pourrais presque poser sur un terrain. Attends. Ouais, non, je vais essayer de me rapprocher de la plage. Un spot de bombardier là qui perd la France. Prend cap sur l'Angleterre. Ah, je vois les bombeurs qui rentrent là. J'en vois 6. J'en vois 6 qui rentrent. J'en ai vu 2 qui rentrent en ordre dispersé. Là, en tout, j'en compte 8. Okay, voilà, je suis avec les bombeurs. Ils sont en 1000 mètres, c'est ça? 1000 mètres, ouais, exact. Et ils vont rentrer à Oyé-Plage. Moi, je rentre à Oyé-Plage. Tu vois, le terrain est juste devant moi. Je passe juste entre les bombeurs, là. Entre eux. Ouais, je te vois. Je te vois. Si tu prends capsule, tu vas me voir. Fumant au-dessus des terres. Et je me dirige sur le terrain d'Oyé-Plage. Ah, je pense peut-être pouvoir l'atteindre. Hein. Ok, un speed à peu près 20 km au nord, entre nord, Calais et Dunkerque, altitude 5000 mètres. Altitude 5000 mètres. Est-ce qu'on a de quoi poser là devant? Ok, il a l'air de vouloir m'engager, je vais le tirer au-dessus des terres. Ou, okay. Est-ce que ça va passer? Rien n'est moins sûr. Ah, il faut que je tire sur le manche. Je peux maintenir 200. Ah les gars, là si j'arrive à poser à Oyé-Plage, c'est que vraiment j'ai le cul bandé de nouilles. Oh, c'est pas vrai. Les gars, je vais poser sur un terrain. Ou peut-être même... Non, je tente pas les roues. Je vais poser... je vais me vacher, je m'en fous. Bon, est-ce que... Le green est là. Ok, j'ai un speed en combat avec moi, je plonge. Tout petit peu... Plonge sur les bombeurs, mec. Non, je plonge sur la Calais. Propre. Propre. L'avion est intact. Yes. On est rentré. Rendez-vous vertical de Calais. Je vous amène un speed, les gars. Je suis rentré. Oh, les bombardiers qui passent juste au-dessus de moi. J'en vois 8 qui passent 6. Ah, mais c'est un speed, ça. Il y a des speeds, hein. Faites gaffe. Il y a des speeds sur zone. Je suis au nord de Calais et j'ai traîné un speed, donc... Ouais. Je redécolle, j'arrive. Il devenait vraiment méchant. Ouais, il est toujours derrière moi, je le tire. Il est à peu près 2000 mètres en piqué derrière moi. Ok, je l'ai perdu en visu, la salope. Tri. Ok, je passe TBA. De toute façon, il y a les bases. On va profiter. Ouais. La DCA. Je reste plein badin sur la France et je vais faire tourner au-dessus de Coquel.
Le speed t'a touché. Hein. Ok, je redécolle de Coquel. Je redécolle de Coquel tout de suite. Ok, décolle et je te l'emmènerai quand tu seras en position. Ok. Mais il y a des avions qui tournent autour de Coquel. Je sais pas si c'est des spits ou quoi, mais ça plonge sur Coquel. Il y a des spits autour des bombardiers. Toi. Ouais, ça monte autour de Coquel. Ok, je viens juste de décoller. Oh, 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 oh. Tranquille, tranquille, calmos. Tranquille, il n'y a pas de DCA, donc ça doit être de la mise. Hein. Dunkerque avec les bombeurs. Non. Ouais, attends. Les bombeurs okay. Sont à Dunkerque, Rick. Ah ouais, pardon, ouais, je vais... J'ai 4 bombeurs au-dessus de... je vais décoller de Calémarc, par contre. Ok. Donc je me dirige vers l'est. Ouais, et ben je suis au-dessus de Coquel et je vais vous les tirer vers... Bah là, il a pas l'air de me suivre, je crois qu'il a lâché le mec. Ouais, mais les bombeurs, je les vois, ils sont... Donc, en tout cas, on va se retrouver déjà. Ouais, c'est clair. Bon, voilà. Ok, je prends peut-être, j'anticipe un peu sur sa retraite, le speed. Donc je vais aller au nord de Calais, sur les côtes. De Calais. Comment? Je suis à 2 minutes de Calais. Ouais, c'est bon. Ouais. J'arrive au-dessus d'Oyer Plage, entre la côte et Oyer Plage. Ouais, pareil. Moi, je suis vertical Oyer Plage. Ok, reçu. Ouais, pareil, je crois que je te vois. Vous êtes étagé à quelle altitude, les gars? Je suis en formation avec un bombeur. Je suis 1000 mètres. Et pour moi, il n'y a pas de speed, hein. je vois rien. Non, les speeds m'ont pas suivi. Ils ont décroché quand je suis rentré en France. D'accord, ok. Ok. Du coup, je vais essayer de rassembler avec vous. Tu me vois, Bouba? Il me semble, ouais. Bah, j'ai des contacts à moyenne altitude, vers les 1000 mètres à peu près. Vertical Coquel et 1200 mètres. 1200 mètres, ok. Il me semble que c'est toi. Je vire à droite, on se retrouve sur le trait de côte à Calais. Ouais. Au-dessus du port de Calais? Ouais, au-dessus du port de Calais, trait de côte. Allez, affirme. Bonsoir, tout le monde en Russie. Ouais, on est tous rentrés, hein. Et on a sauvé un gros paquet de bombeurs. Ouais, parce qu'ils n'en ont pas eu beaucoup. 3 attaques, je crois. 3 ou 4 attaques. Ouais, c'est clair. Là, le dernier, j'ai tenu 2 speeds. Franchement, j'ai galéré ma race. Ouais. J'ai tenu les 2 speeds tout seul derrière. Et franchement, c'était hard aussi. Tu tiens pas longtemps, t'es obligé de plonger rapide. Non, ils sont très performants. Parce qu'ils repartaient sur les bombeurs. Ouais. Aussi sec qu'ils me lâchaient, ils repartaient sur les bombeurs. Je les retournais sur eux, je les réengageais et je les forçais à me suivre comme ça pendant 5 minutes. Après, il y en a un qui m'a lâché, qui est parti avec vous, je crois, et l'autre, je l'ai tenu en combat et il m'a suivi jusqu'en France. Ouais, mais il t'a pas eu. Non, il m'a pas touché, pourtant on était à plus de 8000 mètres. Ouais, les bombeurs posent à Coquel. Non, c'est pas Coquel, ça. C'est... Ok, je suis parti les amis. Ouais, plage, ouais. Non, Calémarc, il pose à Calémarc. Ok. Vertical du port Calais, pied dans l'eau. Quelle altitude? Ok, reçu visuel. Vous êtes deux appareils là où tu es. Je suis à peu près à 1500 mètres. Ok, ouais, je te vois. Je suis dans T6. Ok, je vous rassemble. Ok, je réduis. Je passe 2200 tours. Je continue mon virage, t'as qu'à le serrer, Rick, si tu veux. Ouais. Ouh, t'as une fuite de carburant ou un truc comme ça, toi? Ouais, une petite fuite de carbu, ouais. Il me reste 100 litres, ça devrait faire. Ah bah attends, ça a pas été tout simple repos, la sortie, là. Ah bah on a pris du plomb, hein. On a donné, on a pris. Ah, je me suis démené, hein. Ouais, mais j'ai fait quelques passes, mes amis. Vous verrez la vidéo aux petits oignons. C'est ce qu'il faut. Ah, des petites passes en dessous, là. Je tire... D'ailleurs, il me reste... il devait me rester plus que de la moitié des cartouches. Hein. J'ai tiré très peu. Il me reste 45 obus. Ouais. Un tiers, tu vois. Ouais. Non, c'était jouissif. Dommage que... En fait, j'ai pris une ou deux balles, hein, parce qu'en fait, j'ai eu une... Tu sais, la micro-fuite de glycol, mais ça fuit pas tout de suite, en fait. Ça a une fissure et puis ça fuit plus tard.
Voilà. Du coup, j'en ai profité pour grimper, j'ai mis l'hélice en drapeau et je suis rentré. Mais il y a que dans Clodo que tu vis ce genre de truc. Tu sais, dans des merdes comme boss, bah t'es attaqué, voilà, t'es détruit, t'es foutu. Ok, on va virer à droite, Bouma, et on va rentrer en circuit. Tu nous reprends pendant la rentrée en circuit. Ok, reçu. En pause où, du coup? Bah écoute, ouais, on va poser à la plage. Je laisserai, hein. Je laisserai bien Rick nous emmener à. Moi, il me reste 100 litres. Ma fuite a l'air de tenir. Il me reste 80 litres. 150 pour moi. Bien Rick me nous ramener à Saint-Omer. Ça lui fera une petite nappe, ouais, carrément. C'est très simple. Ouais, ouais, on va faire ça. Allez, Rick, tu prends le lead. C'est toi qui prends le lead maintenant. Allez, et nous, on va se mettre en hélice avec toi. Tu ouvres la carte. Attends. On est à Calais. Ok. Et on va prendre un cap sud-est. Ouais, par contre, Rick, quand tu lis, tu dépasses pas les 400 km/h. Hein. Contact à 3h, vous m'avez fait attention. Ouais, 3h. Ça vient ça sur nous, ami, mais c'est ami, ouais. Il n'y a pas de flaque, hein, c'est sûrement ouais. Par contre, j'ai pas vu de flaque, hein, j'ai pas vu de flaque du tout. T'as vu de la flaque sur les speed tout à l'heure? Ouais, sur le speed, ouais. Et quand okay. Il est arrivé au-dessus de chez nous, la flaque est tirée. Ok. Mais il était très haut, donc. Ah, ouais, d'accord. Rick, je demande une petite réduction, s'il te plaît. Rick, ouais. quand tu lis, Rick ne dépasse jamais les 400 km/h. 400 c'est le max que tu peux. Ouais, ok, je réduis 0,9 à ta 2100 tours. Là, on est en retour, tu peux te caler à 370, 380, okay. Ça suffit largement. Je réduis pour 350 km/h. On a plus beaucoup d'essence, j'ai une petite fuite, il vaut mieux la jouer sans trop taper dedans. Non, c'est clair. Attends, et 350 km/h. Mais mec, c'est des chiens de garde quoi, touche pas nos bombardiers. Touche pas à nos bombeurs. Et Bouma qui disait, mais rentrez les gars, rentrez. Non, reste là, on va les fighter jusqu'au bout. Ah, je voulais vous sauver moi, je voulais pas que vous fassiez plomber. Ah non, mais après on a pas pris de risque non plus inutile, on a pas mis en danger, mais. Mais il y a un moment où c'était chaud. On a dû perdre un ou deux bombardiers, mais pas énormément. Fata et 380 km. Ok, je te rassemble. Oh. Concentration. Allez, on se concentre. On va te les conneries. Ah bah, parfait. Parfait, dans 30 minutes c'est terminé. Donc on a fait une super sortie. Il a soif le bébé, il a soif. Et on va descendre légèrement pour passer en dessous des nuages. Il tourne un peu à gauche. Reçu. Toujours 0,9 Fata. Ok, de Anton 3, leader, je demanderai l'autorisation de poser en premier si c'est possible. Ouais. Sachant que j'ai une fuite, j'aimerais bien poser assez vite, ça c'est à éclairer. T'es sur la réserve, bien. Maverick? Ouais. Réduction 0,8 Fata. Manston have suffered heavy damage. Hey! C'est en réussite. Et c'est grâce à vous les gars. Bah toi aussi hein, on est une équipe. Hein. Ouais c'est clair, mais bon je me suis fait plomber quand même. Ah mais t'en as sauvé combien? Ah ouais, pas mal. Avant qu'ils larguent leur bombe. Parce que ils étaient au complet hein. Quand ils ont largué, ils ont pas été. Ils étaient complets. Hein. Et on redresse. Alors là, j'ai vu, c'était un peu bazar.
Ok. Alors. Ok, j'ai visu sur la piste. Leader, je quitte la formation et j'entame pour une directe. Bien reçu. Je passe plein de petits pas, réduction. Et nous on va passer en circuit, virage par la droite. Et reçu. km/h. On passe pas d'hélice manuel. Alors, est-ce que tu sais où est le terrain? Tu peux me dire où est le terrain? Il est à gauche. À gauche, ok, c'est bon. Ouais, c'est vrai que j'ai... Non, je voulais être sûr que tu l'aies bien repéré. Ok, sortie des éléments. Ouais, ici, c'est Et tu te rappelles du vent? 2 mètres secondes. Merde. Nord. Ouais. Nord-ouest. Non. Nord-ouest. Non. Ouest. Ouest. 290. Ok. Ouais, donc tu poses à l'ouest. D'accord. Okay. Tu vois la piste? Là, tu vois la piste. Ouais. Donc là, tu vas faire une vente arrière et tu vas poser à l'ouest, dans le sens opposé où on est maintenant. D'accord? Bien reçu. Mais de toute façon, c'est Maverick qui pose en premier, donc on va faire un circuit d'attente. Donc je réduis pour arriver à 300 km/h. Bah pour le moment, oui, tu réduis à 300, puis on tourne en fait. On va tourner jusqu'à ce que Maverick se pose. Ok, je ferai main droite pour l'atterrissage. Ok, reçu. Donc à l'opposé de vous. Ouais. Ouais, j'ai sorti mes éléments un petit peu tôt. Waouh. On a eu jusqu'à 16 spectateurs à un moment. À 16? 16, ouais. Et 300 km/h, je maintiens. Ok, je rentre dans le circuit en vente arrière. Et je commence à sortir les flaps. Non, attends. Continue, Eric. Fais un tour de circuit, je suis pas posé encore, je suis derrière vous. Là, t'es en vente arrière, Maverick? Ouais. Ok. Pas parce que j'ai plus d'essence que je peux pas faire mon tour de piste comme il faut. Ouais, il doit te rester quand même un peu. Oui. Il reste par la gauche. Ouais, c'est 30-40 litres. Un tiers des 300. Ok, dernier virage. Je la fais courte. Et final. Et réduction de 150 km/h, sortie des flaps. Qu'est-ce que tu veux faire exactement là? Et alors, arrondi. On fait la vente arrière, non? Bah si tu fais vente arrière maintenant, tu vas poser à l'est. Ouais. Ah, il va falloir qu'on reprenne le module 1. Ouest. Hein. Ouais, ah là, ouais. Le module 1, il est à 0 là. Va falloir. Ouais. Ah non, là c'est pas bon. Ah, c'est pas bon du tout. Ouais, donc on fait la vente arrière. Là, t'es en branche de présentation. Tu vois? Ok, je quitte à gauche. Là, t'es en branche de présentation, donc tu vas virer à gauche. Ouais, après la piste, et là, tu vas chercher l'avant arrière. Voilà. Je sais que ça peut être. Non, c'est moi qui n'ai pas réfléchi. Petit screen, c'est magnifique.
les coupures moteur. Voilà. Réduction 250 et sortie de FAPS. Alors c'est toujours le train avant les volets. Hein. Ah oui, juste. Tu devrais le savoir. Ça. Tu peux éventuellement sortir un chouïa de volet, 10 degrés avant, mais ouais. C'est le train d'abord. Les volets après. Okay. Ok, train sorti verrouillé, confirmé pour leader. Ouais, confirmé pour leader. Ouais, je garde visu sur vous, je vous regarde. Et là, t'as 700, t'as 600 mètres, c'est un peu beaucoup, mais c'est pas méchant. Normalement, c'est 500, mais on n'est pas à 100 mètres près, c'est pas grave. Ok, là tu peux faire ta finale hein, parce que là t'es allé très très loin. Ouais. Et virage par la gauche. Réduction 200. Tu vois, comme t'as pris un peu trop d'altitude, tu vas devoir plonger. Et ta vitesse va être un tout petit peu majorée, mais c'est pas. Ouais. C'est pas méchant. Non, faut tirer sur le manche. Tire. Tu refuses le sol. Tu refuses. Voilà. Et viens se plaquer au sol. Tranquillement. On freine gentiment le freinage. Tout. T'excites pas sur les freins. Tout. Voilà. Parfait. Voilà. Nickel. On s'arrête. Et on va se parquer à côté de Maverick. Il est où le Maverick? Il est où le Maverick? Je vous vois pas, moi, messieurs. Bah, on a posé sur le même terrain, j'espère, quand même. Bah, j'espère bien, oui. Parce que, franchement, si t'as posé ailleurs... Vas-y, Saint-Omer-Arc. Ouais. Putain, pourquoi ça remonte pas? Ah, oui. Ah, j'ai un des boutons du joystick qui commence à m'éteindre. Je suis bien Saint-Omer-Arc. Je crois pas, non. À mon avis, t'as dû poser ailleurs. Ah, voilà, il a dû fumer la moquette. Non, mais j'ai même pas fumé la moquette. Attends. Quand t'as quitté la formation, la piste. Quand t'as quitté la formation. Non, mais il doit être là. Willis, à 11h. Mais je suis au milieu de la piste, hein, c'est peut-être pour ça. Enfin, je suis au milieu du terrain. Non, mais il doit être là, on doit. Il est peut-être dans notre pif ou. Bah, oui. Quand t'as quitté la formation, tu t'es posé sur le terrain qui était dans nos 1h ou dans nos 11h? Non, mais j'ai posé à Saint-Omer-Arc. Non mais dis-moi dans à Saint-Omer Arc. Non mais il a posé à Arc hein. Je pense pas qu'il soit trompé de terrain quand même. Non, c'est Eric, facile. Ça fait 10 ans que je suis sur le simulateur. Je le connais Saint-Omer Arc. Oui je suis à Saint-Omer. C'est une longue piste avec deux couloirs. C'est notre piste d'entraînement de comme d'habitude quoi. Piste très longue avec deux couloirs en herbe. Calme-toi Eric hein, sur les. C'est peut-être nous qui sommes. Ah non nous on est à Saint-Omer Arc sûr et certain. Alors t'as peut-être despawné, non t'as pas despawné. Une piste est-ouest, oui. T'as pas despawné, t'es toujours dans ton avion. Non, je suis toujours pas. Putain, fais chier. À la recherche de l'avion mystère. Bah en plus je peux même pas redémarrer, j'ai percé mon radiateur en éteignant. Ah, d'accord. Sinon j'aurais. Non mais il doit être là, peut-être t'as dû aller un peu loin, à loin de la piste. Ou... Putain, c'est curieux, je donnerais cher pour savoir où tu te trouves. Ouais. Oh purée. Oh putain, il a... Mais c'est pas possible, dès qu'il y a une connerie, c'est pour lui quoi, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il a failli me percuter par l'avant.
En fait, ah, il vole super bien, mais dès qu'il se relâche, c'est connerie en rafale, quoi. C'est Monsieur Bean, Mister Bean. Bon, on va arrêter de. J'ai dû poser ailleurs, hein, je sais pas. Non, non, tu t'es planté de terrain, c'est sûr. Il a raison. Non, mais moi je t'ai dit quand. Parce que c'est. Parce que oui, c'est vrai. Quand mon approche, c'était pas. On visait pas le bon terrain, on visait le terrain d'à côté. Vous visez le terrain à droite alors que c'était. Non, moi je me plante jamais d'habitude, cet Ober Arc, j'ai fait gaffe. Vizerne, j'aurais pas pu me planter, c'est pas possible, il est tout petit. Ouais, ça se peut. Non, Vizerne il est tout petit, mais celui au nord de Saint-Omer Arc. Ou alors c'est peut-être que. 109 pas en rouge, Vizeroïde. En bout de piste. Ouais, parce qu'il y en a qui ont des skins. Ici sur ce serveur là, il y en a qui ont des skins perso. Bon, je pense que le bilan est positif. Maverick a eu une victoire, j'en ai eu une. Bah c'est le même, hein. Donc Maverick, t'es en E3B? Ouais, là j'ai pris un E3B. Ah, ouais. Donc t'as une victoire pour moi, une victoire pour Rick aussi. On rentre tous. Bon, moi dans un état pitoyable, mais mon avion est réparable. J'ai posé à Coquel, à Calémarque. Des speeds de partout, des speeds de partout, les bombers sauvés, donc c'était juste génial. Si vous voulez vivre ça, l'équipe, et enfin les gens qui nous regardaient sur YouTube, n'hésitez pas. Je vais mettre l'adresse du Discord sous le dans la description de la vidéo, et puis vous pourrez venir discuter un peu avec nous, peut-être découvrir IL2 Cliffs of Dover et voler avec nous en 109 ou en 110 ou sur d'autres avions. Quoi d'autre? Ah oui, il y a un autre serveur encore plus génial qui s'appelle Storm of War, une sorte de réalité virtuelle juste géniale, avec une carte qui est persistante, des terrains qui sont réservés à telle ou telle escadrille. C'est juste extraordinaire. On va bientôt, je pense qu'il y a une campagne qui va bientôt commencer là-dessus. Et donc l'année 2018 s'annonce très très bien. Allez, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne JG de Booma. Et bonne année. Non, peut-être pas encore. Ouais, je vais vous incendier tous les deux. Il y a un 109 là qui passe au-dessus de votre tête. Moi j'ai dispo. Avec un moteur serré d'ailleurs. Ouais, il y en a un qui sort. Ouais. Pourquoi? Alors, vous êtes pas à Saint-Omer Arc, messieurs. Ah bon? Non, c'est vous qui vous êtes planté. Ouais, parce que. T'es sûr? Ah, véridique. Vous êtes à Saint-Omer l'autre là, comment il s'appelle là? Attends. Ah ouais, si. Attends, je redécolle. Mon moteur tourne toujours, je redécolle et je vais vous dire où je suis. Voilà. Ah, bon. Vous êtes trompé, cherche pas. Bah attends. Non, ouais, j'ai fait le tour, j'ai redécollé, boum. Attends. Je regarde ma carte. Parce qu'en fait, notre aérodrome, il est de l'autre côté de la. Notre Saint-Omer Arc est au sud de la forêt. Tu vois? Et je pense qu'on est au sud de la forêt. Vous êtes au nord. On est au nord de la forêt? Ouais. Bon, attends, je redécolle. Les radiateurs sont toujours ouverts. Ouais, je peux redécoller. Je vais plus redécoller de ce côté-là. Allez, je fais toute la gomme. Je sors un peu de volée. Ok. On monte le train. Alors, où suis-je? Exact. On s'est trompé. Enfin, Rick s'est trompé. Oui, Leader s'est trompé. Ouais, donc Rick, ton module 1, tu vas le repasser. Ah non. Ah bah si. Punition obligatoire. Ah bah si, tu vas repasser le module 1, c'est pas. Tu vas bouffer du tour de piste jusqu'à ce que tu n'en peux plus. Fini les entraînements de combat. Et moi je vais aller poser à Saint-Omer Arc du coup maintenant. parce que je vais me poser sur le bon terrain. Y a pas de raison.
Ah, il me semblait bien que je m'étais posé à Saint-Omer Arc quand même, je connais la carte. Non. Non, mais moi aussi, je l'ai pas vu. Hein. Bah, alors, en même temps, j'étais en train de récupérer toutes ces conneries de circuits et tout ça. Et puis quand tu lis, ouais, quand tu suis. Ouais, quand t'es lié, tu regardes pas forcément. Ouais. Puis les deux terrains se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ouais, remarque, ouais. Mais Saint-Omer Arc, c'est facile, il y a une rivière à côté. Donc, allez. On sort le train. Non, mais ouais, très sympa cette petite sortie. Ah ouais, c'est juste génial. Encore mieux qu'hier, tu vois, parce qu'on a moins fait de la merde là, pendant les combats. On s'est fait attaquer, mine de rien, à 309, on a tenu un speed sur la première que t'as descendu, que j'ai commencé à taper. Ouais. Sur la deuxième attaque, ils étaient deux, et sur la troisième, on s'est retrouvé à 4 speeds, je crois, à la fin. Ouais. Donc, ah ouais, le premier, il a pas fait un pli. Hein. Non, quand ils arrivent par petits paquets, ça va. Mais après, au-dessus, c'est chaud. Hein. Au-dessus, voilà. Bah oui, il faut le nombre. Hein. Et ils sont arrivés à 4, hein, le dernier. Ouais. Et le dernier coup, ça a piqué. Hein. Le dernier coup, oui, bah c'est à peu près tout le monde. Hein. Moi, j'ai pris des bastos, mais très peu. Je leur ai pas donné. Ouais, non, ils nous ont touché très très peu. Hein, mais remarque, nous aussi. Hein, moi, les gars que j'ai touchés, je leur ai pas mis non plus. Oui. C'est des petites pichettes comme ça, mais je veux pas en fait materniser dans les 6 d'un speed. Ça, c'est une erreur, je ne ferai plus. Ouais, moi c'est pareil, je préfère lâcher, remonter avec mes bombers. Ah ouais, c'est clair. Et t'as vu, même lui, où je suis parti en combat un petit peu avec pour. Bah lui, le premier qu'on a abattu là. Ouais. Vous étiez tous les deux en couverture sur les bombers, je me suis dit, c'est bon, j'ai un peu de merde, je vais pouvoir faire une passe ou deux et repartir vers les bombers après. Et toi, t'as.